Le trinôme. Medjir Sabrina, Rahman Wafa et Suisi Amina. A pris énormément de plaisir pour réaliser une lecture d'une des façades d'un monument architectural le plus connu au monde. Symbole et lieu d'une monarchie triomphante. Symbole de l'absolutisme royal et l'incarnation parfaite de l'art classique français au cœur de l'histoire. Un château monumental construit par la volonté du roi Soleil. C'est le château de Versailles. Château de Versailles est un monument historique français. Se situe au sud-ouest du Paris. Dans la ville de Versailles. Sa construction a été exécutée au fil du temps, durant 48 ans. Louis XIII a fait bâtir un pavillon de chasse. Un peu plus tard, le pavillon a été remplacé par un château en briques et en pierre. L'arrivée du Louis XIV qui a fait agrandir le château de son père et par conséquent il est devenu le plus grand en Europe. Des transformations ont été faites par l'architecte Louis Levaux au niveau de l'ancien pavillon en faisant remplacer la terrasse par la galerie des glaces. L'architecte Mansart a fait agrandir le château en ajoutant l'aile du midi et celle du nord, les deux écuries, les ailes des ministres, le grand commun, une chapelle et l'opéra. Sachant que le château de Versailles est un monument immense, le plus grand en Europe, composé de plusieurs parties. La raison pour laquelle on constate plusieurs façades, celles qui s'ouvrent sur la ville et d'autres qui s'ouvrent sur le jardin royal. Allant vers le côté ouest, choisissant la façade du corps central qui s'ouvre sur le jardin, sachant que cette façade n'est pas en contact direct avec le jardin, ils sont séparés implicitement avec une différence de niveau qui fait introduire un espace dégagé sous forme d'une esplanade, qui est un terrain plat découvert, mettant en perspective la façade devant laquelle il se trouve.
La façade a une forme rectangulaire. Elle fait environ 100 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur. La largeur de la façade fait 5 fois de sa hauteur. Le corps central du château constitue la masse principale avec une façade d'une forme rectangulaire. Cette dernière comprend d'autres masses secondaires qui sont les avant-corps. L'unique en son genre, château de Versailles. Une vraie splendeur architecturale pleine de beauté extravagante qui domine merveilleusement la structure de la ville par sa taille gigantesque. L'incarnation parfaite de l'architecture classique sur ses façades. Son immergence dans un contexte non bâti extrêmement immense, occupé par les jardins. Les raisons pour lesquelles il est remarquable souterrain, car son statut exige qu'il ne soit pas en relation avec d'autres bâtiments. Sachant que le château est composé de plusieurs bâtiments ayant des formes distinctes. Il y en a ceux qui sont juxtaposés et d'autres qui sont éloignés, où l'ensemble de ces volumes donne une forme ouverte sur elle-même. Entre 1670 et 1689, le corps central, l'aile du Midi et celle du Nord, les ailes des ministres, le grand commun et les écuries ont été construits. L'ajout de la chapelle en 1710. Et finalement la construction de l'opéra en 1770. Notre façade fait partie du corps central et elle s'intègre parfaitement avec les façades des autres volumes. La façade sur laquelle est introduite une entrée principale est par conséquent considérée comme façade principale. Malgré que la façade de notre cas d'étude n'obéit pas à ce principe, mais elle est principale. Le choix de la façade n'était pas basé sur l'existence de l'entrée, mais plutôt sur l'importance de cette façade dite « façade sur le parterre d'eau » ou la face principale du château, car elle s'ouvre sur le jardin ainsi qu'elle contient les chambres du roi et de la reine ainsi que la galerie des glaces qui sont des espaces qui tiennent leur place dans le château. Plus un étage est privilégié socialement, plus sa hauteur est importante par rapport à la hauteur des autres étages, y compris la hauteur des ouvertures. C'est le cas du château de Versailles qui comporte trois étages de différentes hauteurs qui sont le rez-de-jardin, l'étage noble et l'étage attique. La façade du corps central comporte deux types d'ouvertures de tailles différentes. Il y en a des fenêtres simples rectangulaires et des portes-fenêtres cintrées. La largeur des deux types est fixée avec 2 mètres, alors que la hauteur se varie, ça dépend du statut social de l'étage au niveau duquel elle se trouve.
Le rez-de-jardin comporte des portes-fenêtres cintrées qui font 5 mètres de hauteur. L'étage noble comporte des portes-fenêtres cintrées qui font 6 mètres, alors que l'étage attique comporte des fenêtres simples rectangulaires qui font 3 mètres de hauteur. La façade traitée comporte 69 ouvertures, où il existe 46 portes-fenêtres cintrées et 23 fenêtres simples rectangulaires. Donc, en fonction de ce nombre d'ouvertures, on peut qualifier cette façade comme une façade ouverte. En calculant le rapport plein-vide pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. La surface totale de la façade est égale à 1800 m². La surface du vide est égale à 584,22 m² avec un pourcentage de 32,46%. La surface du plein est égale à 1215,78 m² avec un pourcentage de 67,54%. Donc, la surface du plein fait deux fois la surface du vide. Donc, ce résultat infirme l'hypothèse précédente. Dès le premier regard, on aperçoit une géométrie simple que dessine la façade. Des lignes horizontales et d'autres verticales se dessinent d'une façon soudaine et inattendue. L'interaction de ces lignes nous résume une trame géométrique bien définie grâce au positionnement des éléments architecturaux qui se trouvent au niveau de la façade et qui correspond à une unité bien précise qui est l'ouverture. Une façade qui incarne une composition tripartite, base, corps et couronnement. Une façade qui comporte trois étages obéissant le même rythme mais n'ont pas la même valeur esthétique en ce qui concerne l'ornementation, tout dépend du statut social. Un rez-de-jardin légèrement orné. Avec des murs à bossage et des ouvertures surmontées par des mascarons. Accompagné par quatre statues bienveillantes. Un bel étage, le plus privilégié esthétiquement, merveilleusement décoré. Avec des ouvertures surélevées en plein cintre qui reçoivent un décor intéressant au-dessus, témoigné par la participation active des différents mascarons. Le positionnement des ouvertures crée un ensemble de travées ponctuées de pilastres d'ordre ionique. Présence des avant-corps à colonnade. L'avant-corps central est le plus large. Orné de 6 colonnes d'ordre ionique. Deux niches dans les entrecolonnements d'extrémité, art et nature. Les avant-corps d'extrémité ornés de quatre colonnes jumelées. Une puissante corniche qui sépare l'étage de l'attique. L'attique qui reprend le même rythme de travées ponctuées de pilastres.
Les statues des 12 mois marquent une progression régulière dans la représentation de l'écoulement de l'année grâce aux vêtements qui graduellement se fait moins couvrant en approchant de l'été. Ce sont des figures féminines alertes, originales, pleines de vivacité et de verdeur qui se tiennent debout le dos au mur. Mars, le seul des 12 mois à oser se pencher en avant. Il le fait fortement afin de maintenir un bélier fougueux. Juillet, tendre jeune fille, à peine vêtue, et son énorme lion, timide et bienveillant. Septembre, la pluie mutine, tenant la balance et élevant à hauteur de ses yeux une grappe de raisin. Octobre, s'appuyant à un vase, le corps est presque rejeté vers l'arrière, une jambe croisée devant l'autre, c'est une femme épanouie tout en rondeur. Janvier, ressemble à une jeune vestale antique. Février et son immense poisson. Le tout est surmonté d'une balustrade qui camoufle les toits plats à l'italienne. Avec de grands trophées d'armes et des pots à feu. La façade traitée n'est pas en un seul plan, où il existe des éléments insaillis qui sont les avant-corps. L'horizontalité domine et la symétrie s'impose avec rigueur. Elles adoucissent la froideur de l'ensemble en dessinant des rangées d'ouvertures qui s'étalent horizontalement suivant un rythme répétitif. La façade est imposante par sa taille gigantesque et accueillante par son architecture monumentale qui prend la couleur de la pierre, un blanc patine.